Et bonjour à tous, nous revoilà pour le 8e épisode de Capi dans le Jurassique. Et comme je vous l'avais dit dans l'épisode avant, je viens d'installer le plugin, enfin le mode World Edit, qui est un mode fait pour la construction rapide, pour le terraforming et tout ça. Donc à mon avis, je vais l'utiliser là déjà. Aujourd'hui, on va faire l'enclos du T-Rex et on va mettre les œufs dans les enclos. Et ce qu'on va faire après, on va faire du terraforming. Je sais pas quand, où est-ce que je vais le mettre, le T-Rex. On a vu, je vais le mettre ici. Ici derrière la maison, je vais faire un truc assez énorme, vous allez voir. Parce que le T-Rex est quelque chose de vraiment énorme. Je sais bien, je vous ai déjà montré dans l'épisode avant à quoi ça ressemblait, mais franchement, vous n'imaginez même pas la taille que ça fait, ce truc. C'est assez monstrueux. Il me semble, voilà, j'avais mis ça de côté. Oui, il m'en faut 3. Des pommes un petit peu. Voilà, on va prendre un stack chacun. Voilà, donc on va... Ah oui, il fallait aussi que je refasse des torches pour illuminer un peu tout. Et du bois, il y en a là-bas, je pense. Ouais. Et tant qu'on a du bois, on va se faire notre... Donc je vais vous expliquer, en fait, pour que Word Edit fonctionne, on doit utiliser la hache en bois. Et celle-ci va nous donner toutes les possibilités pour le mode. Par contre, je suis con, j'ai été oublié de prendre le charbon. Bien joué. Où est-ce qu'il est? Il est là. Alors, on va faire des torches. Voilà, c'est ainsi. On tape ça là. Pendant que nous, on va aller faire ça. On va donner des tâches à faire aux mignons. Parce qu'ils ont rien fait depuis un petit bal. Alors, on appuie sur M. Dig mineshaft. Et on va les faire creuser ici. Voilà. Nous, on est en route pour les enclos. Et après, on va faire l'enclos du T-Rex. Franchement, je sais vraiment pas où je vais le faire. Mais je veux le faire pas trop loin de la maison. Et j'ai réfléchi à ce que j'allais faire, en fait. C'est, je vais pas faire... j'avais dit que je le ferais de blocs de fer et de verre. Mais en fait, je vais le faire de blocs de fer. Une ligne de blocs de fer et une ligne de vide. Tout simplement. Alors, le plésiosaure, il est là. T'as une chèvre avec toi, gamin. C'est pas grave. Alors, on met l'œuf ici. On prend le feeder. On va mettre ça là. Voilà. Un stack de bouffe. Voilà. Merde. Oh, j'avais pas pensé qu'il fallait remonter. Allez, casse-toi. Voilà. Et alors le raptor. Lui, par contre, je sais pas comment je vais remonter. Voilà, faut toujours prévoir avant parce que les raptors, c'est comme dans le film Jurassic Park, hein, c'est une saloperie. Hein. Vous pensez qu'il n'y en a qu'un seul et en fait ils vous attaquent, ils sont pleins. Plein, 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 plein. Alors tant qu'on est là-dedans, on va mettre un peu de torches. Parce que les dinosaures n'aiment pas quand il n'y a pas de soleil déjà. Voilà, l'œuf. Voilà. Ah oui, je vous avais pas montré, c'est que là, vous venez de voir. En fait, avec le Dinopédia, on peut voir à combien de pourcents en est l'éclosion. Donc, ici, il faut que je redescende de toute façon, parce que j'ai pas mis assez de torches. Alors, lui, il en est à 0%, il fait pas assez chaud, en fait.
petit cours d'anglais, warm, ça veut dire chaud, ensoleillé, ensoleillé, je dirais plus, warm. Donc là, ce sera pour le prochain dinosaure, hein, je sais pas ce que ce sera. Donc ce qu'on va faire maintenant qu'on a notre truc, donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc tout simplement, le clic gauche, ça choisit une position, le clic droit, ça choisit une deuxième position. Ça nous fait une sélection et de là on peut faire ce qu'on veut. Donc par exemple on va mettre du vide. Voilà, on peut par exemple mettre du bois. Ou par exemple mettre de l'eau. Slash undo. On va enlever ça parce que sinon ça va foutre la merde. Où est-ce qu'on va faire le dinos? Enfin l'enclos à T-Rex. Enfin, je vais monter un peu en hauteur et je vais regarder où est-ce qu'on pourrait faire ça. Non, je vais aller dormir parce que je supporte pas quand il fait tout noir parce qu'on voit rien du tout. Même si, faut avouer que la base elle est deux fois plus jolie comme ça, mais bon. Ça, c'est pas trop grave, ça c'est pas trop important. Merde, j'ai cliqué avec ça. Ça fait une grosse sélection maintenant. Donc, on va taper la sélection là. Alors, on va grimper là au-dessus. Et on va aller voir. Où est-ce que Cusco pourrait faire le l'enclos? Un truc en fait entre les deux. Limite à la place de la montagne. Je veux vraiment un truc monstrueux, hein, que ce soit plus un endroit où il peut se mettre qu'un enclos, vous voyez. Un continent carrément le truc. Ouais, je vais faire ça dans le désert. Je vais faire ça en derrière chez moi en fait. Donc comme ça quand le T-Rex y criera, ben, on l'entendra. On va commencer ici. Et on va aller là-bas en diagonale. On va vraiment faire un truc monstrueux. Hein. Mais vous allez voir avec Word Edit, ça va assez vite. Et pour les gens qui connaissent pas, je vous ferai peut-être un tuto plus tard pour vous présenter un peu le mode parce que ça offre vraiment mais monstrueusement de beaucoup de possibilités. Voilà, là ça me semble pas mal. Donc alors vous êtes prêts? On va mettre du vide, slash slash 7-0 et tadaaa. Par contre faut que je recommence parce qu'il y a du sable qui est tombé. Voilà. Donc tout notre enclos est ouvert. Donc maintenant ce qu'on va faire. On va augmenter tout. Expand. 5. Hop. Voilà. Non, faut que je regarde l'idée des blocs de fer. Alors. Où est-ce que c'est les blocs de fer? Donc ça ici c'est le mode Too Many Items qui est conseillé d'installer en même temps que Word Edit parce que comme ça on peut voir les idées des. Donc là par exemple le Horde Dom c'est 134, le fossile c'est 139 et tout ça pour le mode parce que sans ça en fait on sait rien construire si on n'a pas les idées des trucs. Donc Block of Iron, voilà, bloc de fer, c'est 42. Donc ce qu'on va faire, slash slash walls. 42. Voilà. Ce que je vais même faire, c'est je vais me mettre en créative histoire de voler pour vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. Hein. C'est pas mal. Donc on va pour commencer mettre un sol on va dire plus chaleureux. Ça, c'est vraiment monstrueux en fait. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire des lignes de vide pour qu'on puisse voir à travers, parce que sinon, ça sert à rien si on fait un enclos où on voit rien. Donc, alors, ici, on va mettre slash slash walls width. Donc, on va mettre de l'eau tout autour. Merde. Walls, il y a un S. Donc, voilà. On a fait tout un contour de. Ah non, merde, c'est pas ça que je devais faire. Donc tout d'abord, deux, on va mettre de comment
de la grasse par terre, donc de l'herbe. Oh putain, ils m'ont fait peur. Oh, je viens de sursauter comme un con. Bande d'imbéciles, vous m'avez foutu les boules. Cassez-vous. Putain, je suis dégoûté, là, je viens de me taper un de ces flips. Oh là là. Donc, on recommence. Wall, sweet. Pour mettre de l'eau tout autour. Et alors, on va partir d'ici. Pas de là. On va partir de ce coin-là. De ce coin-là. Et on va aller au coin tout au fond. Le truc, si vous voulez l'utiliser, je vous conseille de. Si vous voulez jouer en créatif, ben, mettez le mode créatif seulement quand vous voulez faire vos déplacements et tout ça. Mais quand vous devez sélectionner, en fait, ne mettez pas le mode créatif parce que ça va casser le bloc que vous avez sélectionné. Comme ici, je vais vous montrer. Alors, on va faire slash la 7, 0. Voilà. Donc, ça, c'est con qu'il y a ça. Moi là par contre j'ai mal sélectionné donc ça me fait un vide où je ne voulais pas. Je vais vraiment mettre le mode créatif parce que c'est vraiment trop lent. Alors slash 7-0. Voilà, par contre ce qu'on va faire, on va mettre quand même un pied parce que sinon c'est pas très comment dire réaliste. Merde. Voilà. Et voilà, donc ça va être assez énorme hein, comme construction, je vous préviens. Enfin, plutôt comme enclos. Au début, il va être tout petit en fait. Mais le T-Rex. Franchement, je sais que je me répète, mais vous n'imaginez vraiment pas la taille que ça. Ce que je ferais peut-être, c'est faire une autre partie en solo et en faire grandir un le plus vite possible pour vous montrer comment on fait. Voilà, je vais rester en mode vol. Voilà, on va foncer là-bas. Ah non, merde. Je suis con. J'ai pas fait les piliers partout. Voilà. Et là, bon, là en fait c'est bon. Pas besoin de plus. Donc on retire le mode créatif, on sélectionne ici, on sélectionne là au fond, et on va se faire une sorte de damier. Pas vraiment un damier, plus des lignes. Alors slash 7-0. Bon, je suis con en fait parce que mes piliers, je dois tout recommencer. Parce qu'en fait quand je retire tout, bah ça l'enlève aussi. Alors, slash 7-0. Même si je pourrais faire autrement hein, pour retirer juste, mais c'est pas, j'ai pas envie de me compliquer la vie avec d'autres commandes. Mais si je vous fais un tuto pour vous expliquer, bah, je vous montrerai un peu tout ce que moi je sais. Parce que le plugin, je le connais assez bien, parce que je l'ai sur mon serveur multi. Qui n'est plus actif depuis un bon moment. Au passage, pour ceux qui me demandent souvent, ah ben, des Nautilus qui ont spawn. Vous pouvez voir, hein, le mode est vraiment. Je vais voir ici, juste pour voir, dans l'océan ici, il n'y a pas des Nautilus. Parce que vraiment, en fait, une fois que le mode il est lancé, ben, il est vraiment actif sur toute votre carte. Hein, donc, à la place des poulpes, une fois sur deux, ça va être des Nautilus. Je crois même qu'il y a plus souvent des Nautilus que des poulpes en fait. Je sais pas trop. Le truc que j'ai pas pensé en fait, c'est qu'ils peuvent aussi péter le sol, les T-Rex. Donc je vais retirer cette élection de merde parce qu'on voit rien. Voilà. On met là, là et là. Ensuite, je crois que c'est bon. On va foutre. Ah oui non, on va faire un truc plus marrant. Là c'est un peu de cheat mais franchement c'est pour vous, vous allez rigoler. Ce qu'on va faire, il nous faut des œufs d'animaux.
que je ne sais pas où ils sont. Moi, je peux en faire spawn en fait, je suis con. Merde. Ah, fais chier. Bon, c'est pas grave, je réapparais pas trop loin. Ça va, ça donne bien. C'est comme j'y m'attendais. C'est même mieux que ce que je m'attendais. Donc alors, tire la créative, on prend ça. On garde ça près de nous, ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ah ouais, par contre, j'ai pas mis de torche. Pas grave, je vais faire un truc par terre après. Qu'est-ce qu'il me fallait d'autre? Non, je sais pas. Petit trou de mémoire. Qu'est-ce que je devais faire? Oh putain, ces trous de mémoire que je viens de me taper. Allez, réfléchis, réfléchis, réfléchis. Oh le blanc. C'est limite si je devrais pas repasser le truc à l'envers et m'écouter parce que je sais plus ce que je devais dire. Ah oui, ça va, je me rappelle. On va faire de l'illumination. On va regarder. Attendez, faut que je teste un truc. C'est juste pour voir si les têtes de squelettes elles illuminent. Ouais, ça va. Donc ce qu'on va faire, on va faire tout un périmètre avec les, enfin tout le contour en fait, on va mettre des têtes de squelettes mais vers le bas et ça va illuminer tout l'enclos. Mais je pense pas que c'est ça que je devais vous dire en fait. J'ai vraiment un gros trou de mémoire, là je sais vraiment pas ce que je vous ai dit. Tant pis. Voilà, donc on regarde l'idée de la tête de squelette allumée là. Alors, on fait slash slash 7. Ah non, walls. Walls 125. Voilà, donc tout notre truc est illuminé. Ah oui, voilà, je me rappelle maintenant. Putain, que je suis con. Il me fallait que je fasse spawn des cochons. Alors, slash spawn. Je sais pas moi. 30 pig. Ah non. Slash spawn mob. 30 pig. Oh. Spécifier une PC notre forme. Slash spawn pig 30. Voilà. Ça c'est fait. Je viendrai en rajouter de temps en temps, mais vous allez voir, ça va être assez marrant. C'est que en fait le T-Rex, quand il va voir les cochons, il va les attaquer, mais un de ces bazar, c'est super marrant. Mais il va les enchaîner, mais vraiment à la Call of Duty, hein, c'est assez marrant. Moi je vais couper là 2 secondes et je vous reprends quand le T-Rex a éclos. Donc me revoilà, il est à 97%, donc il va bientôt éclore, vous allez voir. Voilà, ça c'est le T-Rex, c'est vraiment tout petit. Je sais pas ce qu'il fout. Allez, montre-toi un peu, arrête de courir. Il va attaquer en fait tous les cochons. Mais je sais pas ce qu'il fout, à mon avis il est en cherchant ou quoi, mais... Non, tu pourras pas sortir. Allez, attaque-les, hein. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de bouger. Vous pouvez vous entendre le son. Je vais vous l'augmenter un peu. On va retirer cette bête musique. Non, je vais mettre le son même beaucoup plus fort. Sauf que vous l'entendiez crier. Allez, crie. Arrête. Voilà, donc ça c'est le cri du T-Rex. Allez, reviens ici. Et il va vite, hein. Voilà, T-Rex Dangerous. Mais il va pas m'attaquer quand même. Bon, on va aller voir les autres s'ils ont éclos. Et le truc c'est que avec les vélociraptors, il y a un petit truc que j'ai vu en testant en solo qui était vraiment pas mal. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là.
Mais sort de l'eau, imbécile. Il s'amuse. Allez, sort de l'eau. Voilà, donc comme je vous l'ai déjà dit, ils ont vraiment un bruit pour chaque... pour comment? Pour chaque dinosaure, ils ont chacun leur cri. Et à mon avis, c'est les cris qui sont pris du film Jurassic Park, mais je suis pas sûr et certain. Allez, sors de là. Voilà, allez, viens, je t'ai mis un cochon. J'aimerais bien qu'il attaque là parce qu'il est en train de bugger comme une grosse merde. Voilà. Allez, sors. Il m'attaque pas moi, attaque le cochon, imbécile. Attaque le cochon. Mais non, pas moi. Oh putain que c'est con, c'est bête. Allez, attaque le cochon. En fait le truc c'est quand il aura faim il va attaquer le cochon et une fois qu'il l'a bouffé en fait il va ramasser la côtelette et il aura la côtelette dans la bouche. Donc ça c'est assez marrant, c'est ça que je voulais vous montrer mais il a pas envie. Et lui il est assez sympatoche. Le Plesiosaurus Gicticus. On dirait un Pokémon en fait. On dirait qu'on peut monter sur son dos. Ouais. Comme Denver le dinosaure, je sais pas si vous connaissez, ben, c'est la même variété. Hein. Il est où? Il court dans l'eau, il est con hein. Tu veux faire quoi? Tu veux m'attaquer? Tu pourras pas m'avoir hein. Non tu pourras pas. Bon, on va le laisser tranquille. On va aller voir si le T-Rex a bouffé. Et puis après moi je vous laisserai hein. On se verra au prochain épisode. Donc ce que je vais vous demander c'est est-ce que ça vous dérange si je continue avec mes modes là en créative et tout ça pour que ça aille plus vite et qu'on fasse vraiment 100% sur les dinosaures et que vous puissiez... Allez attaque-le! Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il a pas faim on dirait. Par contre je vais bloquer les issues ici parce que... Ce serait con qu'il se barre quand même. Je pense pas qu'il va le faire, hein, mais bon. C'est de la prévention plus qu'autre chose. Voilà, donc moi je vous laisse ici, hein, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ah voilà. Attendez. Hein. Attaque-le, attaque-le. Allez, bouffe-le. Donc là au début il est assez ridicule, hein, je dois l'avouer, mais... Il s'attaque à des cochons, il n'arrive pas à les avoir. Les cochons qui se barrent, en plus c'est assez marrant. Il y en a trop, il est submergé. Donc je verrai bien hein, si dans les ADN qui viennent... Putain allez, tue-le. Allez, allez. Tu peux le faire. Allez T-Rex. Allez attaque le cochon. Ouais voilà il a tué le cochon, c'est bien ça. Et en fait j'ai l'impression... J'adore ce cri. J'adore ce cri, il est trop magnifique mon T-Rex. Enfin soit, je ne le dis plus, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et mettez-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue comme ça, que je fasse vraiment plus que de la construction et des dinosaures ou que je continue vraiment plutôt une aventure normale. À vous de me le dire. Salut à tous.